Ah, il y a un souvenir. Attends, après la Switch, on avait dit que le prochain souvenir, c'était... Je crois qu'on avait pris des photos. Ah bah c'est pas ça? Non. Non, c'est pas ça. Ah? Ah oui, non. Non, non, c'est pas ça. Ok. Pas mal. Déjà? Ah ouais. Putain, c'est un véhicule de qualité, oui, mais c'est ça consomme, hein. Ça consomme de ouf même. On va aller jusqu'à là, je pense. Déjà? Eh ben. Ok. Oh, c'est les auras. Oh là là. Salut. Cute. Elle est trop belle. Trop belle cette photo. Bonne soirée s'il a lu. Bien le bonjour. Alors. Bien le bonjour, cher participant à l'épreuve du plongeon céleste. Souhaites-tu montrer l'étendue de ton courage en participant à l'épreuve du plongeon céleste? Juste ciel, tu ne connais pas l'épreuve. Si tu le permets, je vais tout t'expliquer. L'épreuve du plongeon céleste est une cérémonie qui marque le passage à l'âge adulte des jeunes Sonao. Le point de départ est sur une île céleste bien au-dessus de nous. Tu devras sauter dans cette île et traverser tous les anneaux dans le temps imparti. Si tu y parviens, je t'offrirai un vêtement spécial qui sera la preuve de ta maturité. J'ai été tout expliqué, souhaites-tu commencer l'épreuve? Très bien, il va de soi que tu dois d'abord faire un parcours d'essai. Pour cet essai, tu n'auras aucune limite de temps. Il te suffit de traverser tous les arceaux. Je vais t'emmener au point de départ. Avant de commencer, tu devras t'authentifier au terminal. Ok. Hop. Stylé. Ah, la voix du robot dans Portal. The cake is a lie. Je sais même pas comment elle parle en fait, Gladys. Waouh! Oh oh! Attends. Non. C'est pas très fluide, il faut qu'à chaque fois je...
Nickel. J'ai passé la cinématique, pardon, j'ai pas... C'était un réflexe. Ça, c'est pas très rapide. Merci, Exterminiqueur, pour le sub. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est bon. Merci d'être arrivé au bout de cet essai sans incident. Tu m'envoies enchantée. Nous pouvons à présent commencer l'épreuve du plongeon céleste à proprement parler. Es-tu prêt? Dans ce cas, je te demanderai un orbe d'énergie Sonao en offrande. Il s'agit là d'une tradition ancestrale. Chaque participant se doit d'offrir une orbe d'énergie Sonao à l'île. Nous n'avons plus beaucoup d'orbes car nous n'en avons pas reçu depuis bien longtemps. Ton offre est donc primordiale. Très bien, je vais t'emmener au point de départ. Tu devras traverser tous les anneaux en 35 secondes maximum. Ok. Oh! Banger. Ouh là là. Allez, 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 allez. Merci beaucoup, Exterminiqueur. Merci mille fois. Tu as terminé en 34 secondes et 18 centièmes. C'est très bien. Tiens, accepte ceci. C'est là la preuve de ta maturité. Waouh, le masque de chute libre. Ce masque pensé pour minimiser la prise au vent favorise le contrôle de la trajectoire pendant la chute libre. Envie de canner, il m'a fallu 3 essais pour y arriver. Et ouais, ultia princesse. La maturité est faite de... Haut et de bas, il ne faut pas satisfaire des bas. Sache qu'en participant, on réussit à établir un record de 25 secondes. Essaye de donner le meilleur de toi-même. 25 secondes ? Allez, on essaie, hein. Waouh, merci ! Oh là là, merci beaucoup, Ponce ! On est en train de perdre un jeu vidéo ! Il fallait que je traverse tous les anneaux en 30 secondes et je viens de lamentablement perdre. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire, hein. J'ai pas d'autres... ouais. Ah, par contre... Est-ce que je l'ai fait? Ça veut dire que je l'ai fait, c'est ça? Ah non, je l'ai pas fait. Non! Tu n'as pas réussi à traverser tous les anneaux. Reviens ici, s'il te plaît. Non! Mon sanctuaire! Tu es disqualifié. Ah bon? Est-ce que je gagne un autre truc si je le bats en 25 secondes? Merci beaucoup, Ponce, pour le raid. On est sur Tears of the Kingdom. On a juste fait les piafs un peu cocorico. Ah, mais c'est... En fait, c'est l'île sur laquelle on est. On a fait les piafs, cocorico, 3 souvenirs... Et on vient juste de débloquer cette tenue qui permet apparemment de contrôler davantage la chute libre. Voilà. Et là, il y a un sanctuaire. Donc on va faire le sanctuaire. Et elle était très cool, ouais, cette épreuve. Merci beaucoup, Ponce, pour le raid. Ça fait trop, trop plaisir. Merci infiniment. J'espère que c'était bien sur WoW. Et je ne sais plus ce que je voulais faire. Oui, je voulais aussi me diriger vers les auras, mais bon. Ah, c'est une bénédiction. Un diamant brut. J'ai trouvé Poppy dans un coffre. Ok. Réel. Ça c'est fait. Donc, je vais redescendre à Elimit. Et de base, on allait au laboratoire d'Elimit en fait. Et on l'a pas du tout fait au final. Donc, on va pouvoir y aller. On
On a pris la tour, en fait. On va pouvoir se TP à Elimite et grimper au niveau du phare. Voilà. Ah, on n'est pas allé à l'école non plus. Ça me gêne, cette épée, elle me donne... Actuellement, elle me... Mais celle-là aussi, du coup. Hop. Accès interdit sans autorisation. J'ai pas envie d'aller à l'école, moi. Oh, rien que ça broute tranquille. Il est 14h25, c'est l'heure du goûter. Ah non, c'est pas l'heure du goûter, 14h25. Ils ont un peu vu la Vierge, ces enfants. Oh, t'es le nouveau prof? C'est moi, Laris, contente de te voir. Tu sais, mon identité de fils du patron de l'épicerie n'est qu'une couverture. En vrai, je suis super Laris le justicier. C'est un secret, tu dois rien dire à personne, d'accord? Moi, je vais faire ma ronde, à plus. Ok. L'éducation des enfants vous intéresse? Nous recrutons des enseignants avec ou sans expérience. Sollicitez un enseignant pour plus d'informations ou venez assister à un cours. Canel. Oh, salut. Oui, c'est à quel sujet? Ah, c'est toi, Link, ça fait un petit mot. Link? C'est toi? Pardonne-moi, j'avais pas l'intention de crier aussi fort. Comme ça, tu es de retour? Est-ce que ça veut dire que la princesse Zelda est elle aussi... En te voyant, je me disais... Mais la princesse Zelda est donc toujours portée disparue. C'est elle qui a fait bâtir cette école. Les enfants sont la plus grande richesse du royaume à ses yeux. Elle nous aurait sans doute rendu visite dès son retour. En ce moment, j'enseigne justement l'histoire, un sujet cher à la princesse. Et plus particulièrement celle du royaume d'Hyrule à l'heure du grand fléau. D'ailleurs, Link, que dirais-tu d'assister aux cours? Les cours sont terminés pour aujourd'hui, reviens plutôt demain matin si tu veux bien. Ah bah ouais, grave. Alors aujourd'hui, je vais lire les prodiges et les créatures divines, voyons voir. Puissante machine de guerre conçue pour affronter le fléau, les créatures divines furent créées il y a 10 000 ans. En raison de leur taille monumentale et de leur puissance phénoménale, elles étaient difficiles à manier. Seuls les prodiges des êtres d'exception, issus de chaque tribu du royaume, étaient capables de les piloter. Grâce à leurs efforts, le fléau fut enfin scellé. Cependant, il y a de cela un siècle, ce dernier fit son inévitable retour. Les créatures divines furent réactivées et une nouvelle génération de prodiges se prépara à affronter le fléau. Malheureusement, les corruptions du fléau retourna les créatures contre leurs alliés et les prodiges y laissèrent leur vie. C'est super triste, mais on m'a dit que quand j'étais petit, les créatures divines ont combattu le fléau. Ça veut dire qu'elles ont été libérées de la corruption et que les prodiges reposent en paix, pas vrai? Ouais, mais t'es qui toi? Tu m'as fait peur? C'est pas du tout ce que tu crois, je suis pas en train de réviser en cachette. C'est pas grave, t'inquiète. Salut Shuji. C'est marrant que la musique ici. Lire le journal de classe. Merci à Kapika pour le 29e mois. La petite Aster est l'une des filles de Philippe et elle a de l'énergie à revendre. J'entends dire que c'est Philippe lui-même qui lui coupe les cheveux. Ça lui va très bien. Elle aime beaucoup son père et ne parle que de lui et de ce qu'il fait chaque jour. On a beaucoup parlé des tomates de Philippe au village ces derniers temps. Lorsque Mademoiselle Gouty a racheté la maison à côté de la boutique, je crois que ça a beaucoup affecté Aster. Elle semblait avoir le cœur gros. Heureusement, ça n'a pas duré et elle a vite retrouvé son enthousiasme habituel. Notre nouvelle maison est pleine de couleurs, me disait-elle. Et on habite juste à côté des grenouilles. Cette petite déborde de joie de vivre et possède un talent inouï pour déceler les qualités en chacun de nous. Ah merde, attendez, j'ai skip la page. La petite Coryl est l'unique fille de notre chef et de sa femme. Elle est un peu timide, mais elle a un bon fond. Elle parle peu et semble manquer de confiance en elle. Mais elle a un esprit affûté et un talent certain pour comprendre ce qui l'entoure. Vous n'ignorez pas, Dame Zelda, que Baldine, notre chef, essaye de relancer l'intérêt des jeunes pour les légumes. Mais ce fut Coryl qui remarqua la première que les légumes n'intéressaient pas les jeunes des villages. Elle l'a déduit en observant le nombre de clients et les invendus à la fin de la journée. Cette petite me rappelle énormément Dame Prua. Elle pourrait même lui faire de l'ombre un jour.
Larise est le frère de Lyrise, mais j'ai découvert qu'il était en réalité le célèbre justicier Super Larise. Il avait l'habitude de passer beaucoup de temps avec ses pharaons, c'était avant que la teinturerie ne croule sous les commandes. Il semblerait que Super Larise ne puisse plus compter que sur lui-même désormais. Larise est très observateur, il doit tenir ça de sa maman à Marily. Il est au courant de tout ce qui se passe au village, bah nous aussi grâce à ce bouquin visiblement. Super Larise veille et les méchants n'ont qu'à bien se tenir. Grâce à notre courageux protecteur, le village des Lémites est en sécurité. Sepharo est le fils de Soj, qui s'occupe de la teinturerie. Il joue les mauvais garçons, mais il est particulièrement doué. Il passe beaucoup de temps seul à lire après les cours. Il n'est pas découragé par la difficulté, je l'ai surpris à lire des ouvrages sur le fléau. Il lit déjà aussi bien qu'un adulte. J'imagine qu'il lui est difficile d'étudier à la maison. À la teinturerie familiale, il y a beaucoup de travail avec Mademoiselle Gouthier. Soj est un artisan dévoué à son métier et il préférerait que son fils l'aide au magasin au lieu d'aller à l'école. Sympa. Mais l'instruction n'en est pas moins essentielle et je souhaite fournir aux enfants un espace calme pour étudier. C'est après tout la raison d'être de cette école. Dame Zelda, j'ai appris récemment que vous alliez enquêter sur le phénomène observé sous le château d'Hyrule. Vous serez accompagnée de Link, notre sécurité est donc assurée. Votre sécurité, pardon, lol. Mais j'ai néanmoins un étrange pressentiment, la même sensation oppressante qu'au moment du retour du fléau. Dame Zelda, vous êtes un modèle pour les enfants et tous vous regardent avec des étoiles plein les yeux. Nous attendrons avec impatience votre retour. Avec tout le respect que je vous prie, soyez prudente. Oh! Let's go! Bon, ben, faut que je me mette à demain matin pour les cours. Il y avait un cahier comme ça dans mon école. Nenneu est une petite fille timide. Elle a l'air d'aimer se parler seule plutôt que de jouer avec les autres élèves. J'ai constaté qu'elle est hyper nulle en foot. Elle vise le tibia de ses camarades. Est-ce volontaire? Il y a une part de vérité dans ce que tu dis, Nenneu, là. Bon, il est 5h du mat, on va attendre les gosses. Hein. Est-ce que le prof dort, j'imagine, du coup? Moi, une fois, j'ai eu un... Bon, en vrai, pour le coup... J'étais pas du tout une élève à problème ou quoi. Mais j'ai eu quelques mots dans le carnet assez rigolos. Comme j'ai eu un mot dans le carnet qui disait « Carla ne doit pas frapper ses camarades avec des pochettes plastiques. » Je crois que c'est le mot le plus rigolo que j'ai eu. À quelle heure ils arrivent les gosses? 8h? Je pense, hein. Ah, il est 6h. Ah, est-ce que je lui ai donné son champignon à lui? Tu veux quelque chose? Tiens, un champi. Ça vient de Gouthier, pas vrai, ça se voit. On m'a déjà conseillé les vêtements de Gouthier, mais c'est pas mon style. J'ai rien contre sa marque, bien sûr, mais nous autres, les fermiers, on s'en fiche d'être à la mode. Merci quand même pour le champi, ça fait plaisir. Combien de champis il me reste à donner? Moi j'ai eu en CM2, Mélo dessine trop de Pokémon en cours d'art. C'est signe d'immaturité, il faut qu'il cesse et dessine autre chose. Oh! Ah, elle! Elle là, il lui faut un champi. Non mais je peux pas lui donner un champi? Tiens! De la part de Gouthier? Merci, tu sais, j'adore les champignons, il y a tellement de façons de les cuisiner, ils sont savoureux. Mais quand les gens commencent à les porter comme vêtements, je trouve ça bizarre. Il y a encore pas si longtemps, personne au village ne se souciait de la mode. Nous, les fermiers, on est tous un peu perplexes face au phénomène Gouthier. Oui, donc sous-entendu, c'est les fermiers qu'il faut que j'aille voir pour leur donner les champis. Je me demande... Il reste un champi à donner, donc ça veut dire qu'il me reste une personne qui est sans vêtements de Gouthier... Et qui attend un champi. Yo.
La lutte des classes fermier fashion. Après, il n'y a que des enfants. Les enfants, elle a dit non. Ben... Ouais, non, lui, on lui donne pas. Elle, les deux, elles ont des chapeaux. Les trois, bah c'est bon. Eux, ils ont les chapeaux. Ah, je vais me faire gronder. Je pense qu'il va à l'école. Ils vont à l'école, là, je pense. Et je cours plus vite que vous, les nazes, hein. Je crois que la personne à gauche, on lui a déjà donné aussi. Salut à Clary, c'est ici l'aventure, exactement. Quoi, tu veux pas de champi? Comment le royaume d'Hyrule est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui? Il est crucial de bien comprendre le grand fléau avant de pouvoir envisager l'avenir de notre royaume. Je t'en prie, mon cher Link, ça me ferait le plus grand plaisir que tu prennes place parmi nous. Eh ben, il fait la tête dure, mais c'est lui le premier arrivé. Ça peut pas attendre, monsieur, le cours va commencer. Eh, t'as qu'à assister au cours de monsieur Canel, toi aussi. Au collège, une de mes profs voulait absolument avoir un rendez-vous avec mes parents. Elle a fini par les appeler et se contenter de leur dire que, je cite, « Votre fils ne sourit pas beaucoup. » Oh là là. C'est bon? Oh, elle est trop mignonne, elle. Dame Zelda, peut-être qu'aujourd'hui, elle va rentrer chez elle. J'irai voir après à l'école. Bah ouais, je suis là. Je peux pas assister au cours? Peut-être que ça commence à 9h. Nous allons commencer la leçon d'histoire. On ne peut pas dissocier l'histoire du royaume d'Hyrule du Grand Fléau. Les deux sont hélas intimement liés. Le Grand Fléau s'est abattu sur Hyrule à de multiples reprises à travers les âges. Il y a 10 000 ans, le fléau fut scellé par le héros porteur de la lame purificatrice et la princesse au pouvoir sacré. Attendez juste un instant. Oui, c'est drôle en vrai que les gosses y viennent à l'école. Bah, c'est bien fait en vrai. Hein. Il y a 10 000 ans, le fléau fut scellé par le héros porteur de la lame purificatrice et la princesse au pouvoir sacré. Ça, c'est qu'une légende, non? Difficile de démêler le vrai du faux après tout ce temps, j'imagine. Si ça s'est passé il y a 10 000 ans ou un truc du genre, c'est pas facile de dire si c'est une légende ou pas. Et on a des images de ce grand fléau d'il y a 10 000 ans au moins. Mais enfin, ce n'est pas une légende, il s'agit de notre histoire. Ah, attendez, juste un tout petit instant encore, pardon. Mais enfin, ce n'est pas une légende, il s'agit de notre histoire. Ah bah non, pardon, c'était pas un enfant qui parlait, excusez-moi. Je ne vais jamais m'en sortir, il me faudrait quelque chose qui témoigne du grand fléau qui a frappé il y a 10 000 ans. Sinon, ils n'en démordront pas. Je suis vraiment navrée, Link, rien ne se passe comme prévu. J'aurais dû emprunter le paravent du grand fléau qui se trouve dans la demeure de Dame Impa.
Le village de Cocorico où elle habite se situe au nord-ouest de notre belle région de Necluda. Malheureusement, c'est un peu loin et je ne peux pas me permettre de m'absenter aussi longtemps. Si seulement j'avais une image détaillée de ce paravent du grand fléau à leur montrer, je pourrais sans doute convaincre les enfants qu'il a bel et bien eu lieu. Ah ouais, ils sont sceptiques les gosses quoi. Ah c'est vrai, le village a changé de chef, donc ce n'est plus la demeure d'Impa mais de Paya. Eh bien, on n'a qu'à y aller maintenant. En vrai. En vrai. Si seulement, hein. Allez, bonne journée, à plus. À plus. On n'aura toujours pas continué notre petite aventure, là. Le labo. Le déni du labo. Non, mais après, on a les points de TP, donc c'est pratique de faire ça maintenant aussi un petit peu. Là. M'en parle pas, ça fait une semaine que je dois aller voir les orages, j'ai rien avancé du tout. Le paravent. Ouais, j'avoue, c'est quoi ces gosses complotistes, franchement? Genre, il n'y a pas ça dans leur livre d'histoire. Ah ouais, mais il n'y a pas d'appareil photo. Je suis le seul à en avoir un, c'est vrai. Ok, donc ça, c'est bon. Et du coup, maintenant, j'ai juste à... Ah, il y a ça aussi. On aurait pu aller faire un peu de souterrain. Juste à revenir à Elimis. D'ailleurs, on continue de faire du Zelda... Vendredi. Demain, Phoenix Wright, hein. Pas Disney Dreamlight Valley parce qu'il y a eu un empêchement de dernière minute et l'OP elle se fera pas tout de suite. L'école, elle est là-bas. Mais ça tombe bien parce que du coup, comme on a interrompu Phoenix Wright hyper tôt parce que j'étais méga fatiguée hier. Bah au moins on peut continuer. 3 du jeudi indé. Tu l'as vu le let's play de Road 96 ou pas Raton? Faut aussi qu'on trouve la dernière personne On arrive à faire l'aller-retour là. Tiens, j'ai fait l'aller-retour en express. Bien, ce cours portera encore sur le grand fléau. Mais si on a des preuves que c'est la vraie histoire de la vérité vraie? Moi je pense que c'est que des légendes. Si ça s'est passé il y a 10 000 ans ou un truc du genre, c'est pas facile de dire si c'est une légende ou pas. Et on a des images de ce grand fléau au moins? Ah, oh, allez, regarde. Elle est immonde la photo. Le paravent du grand fléau, les enfants, regardez, voilà une trace, un témoignage unique. Waouh, c'est super impressionnant. C'était pas que des légendes. D'accord, maintenant je crois que j'ai compris. Ok, si on a des documents d'époque et tout ça, je veux bien croire que c'est vrai. Monsieur, on peut savoir la suite de l'histoire? Mais bien sûr! Un grand merci à toi, Link. Il y a beaucoup de choses à dire au sujet du grand fléau. Allez, vas-y, dis-nous. Le fléau s'est maintes fois abattu sur notre beau royaume d'Hyrule. Il y a 10 000 ans, les Sheikas conçurent des créatures divines pour lutter contre le démon grâce à leur technologie avancée. Chacune de ces extraordinaires machines était pilotée par un être exceptionnel. Le fléau fut finalement scellé grâce aux efforts combinés du héros ancestral et de la princesse au pouvoir sacré. Le royaume connut une longue période de paix et de prospérité après la défaite du démon. Mais avec le temps, l'histoire fut oubliée. Et de fait, la terrible menace se manifesta à nouveau. Oui, monsieur, c'était quand cette histoire? Le fléau ressurgit il y a 100 ans. Tout commença lorsqu'une ancienne prophétie annonça son retour. La famille royale entreprit alors de réunir les créatures divines créées autrefois par les Sheikas. 4 pilotes de talent furent choisis, parmi les Piaf, les Gorons, les Aura et les Gerudo. Bon, ça c'est le récapitulatif de Breath of the Wild en gros. Un héros, porteur de la lame purificatrice, se tenait aux côtés de la princesse au pouvoir sacré. Et tous se disposèrent sur le champ de bataille pour affronter à nouveau l'ennemi comme autrefois. Mais ils furent pris de court lorsque le fléau exécuta son insidieux stratagème. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, malheureusement, la princesse ne parvint pas à éveiller son pouvoir. Et contre toute attente, le fléau réussit à prendre le contrôle des créatures divines. Les prodiges y laissèrent la vie. Quant au héros à la lame purificatrice, il fut gravement blessé.
Tout semblait irrémédiablement perdu. C'est alors que le pouvoir de la princesse s'éveilla enfin. Elle consacra pendant 100 années son existence à contenir le fléau. Ça va, je vais pas trop vite? Tout le monde arrive à suivre? Je continue. Au bout du long sommeil de 100 ans qui lui avait permis de guérir ses blessures, le héros à la lame purificatrice se réveilla. Avec de valeureux compagnons dont les héritiers des prodiges, il entreprit de répondre au fléau le créature divine. Pardon, excusez-moi, je commence à fatiguer. Au final, le fléau fut vaincu par le héros, et la princesse au pouvoir sacré put alors sceller une nouvelle fois ce vilain démon. Je me suis peut-être emportée un peu sur la fin, mais c'est ainsi que se termine cette histoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que si nous sommes ici aujourd'hui, et si le royaume d'Hyrule existe toujours, c'est grâce à tous ces gens qui se sont battus pour défendre notre avenir. Quand je serai grande, je vais être le héros de légende et protéger tout le royaume. Bravo à tous, ce cours était excellent et vous avez tous été remarquables. Je suis très fière de vous. Et tout ça n'aurait pas été possible sans ton aide précieuse, Link. Je te remercie pour tes efforts. Je ne vais quand même pas te laisser repartir sans te récompenser. Oh, let's go, merci. La culture du riz laisse un peu à peu à la place à la culture de nouveaux légumes. Mais j'adore le riz cultivé ici au village. Goûte-le et tu verras, tu ne seras pas déçu. Ça me fait penser qu'il faut absolument que je parle du riz et de ses différentes utilisations en cuisine dans ma prochaine leçon sur les arts ménagers. Très bien. Bon, ça c'est fait. C'est bien, on arrive à faire les quêtes un peu au fur et à mesure quand même. Et... ouais, bah en fait ils ont voulu récapituler ce qui s'est passé dans Breath of the Wild, hein, tout simplement. Moi je le prends comme ça. Alors, je voulais aller au laboratoire, hein, de base. Et là-bas. Et ouais, c'est vrai qu'il parle pas de la moto de Link comme étant la dernière créature divine, là. Oh ! Puissance maximale ! Vous séchez l'école ? Ouais, MC Autant, voyageur, t'as vraiment une arme de pro, trop cool, les voyageurs, ils ont toujours la classe. Moi, les épées, les arcs, les flèches, tout ça, j'adore. Ah, c'était peut-être le petit garçon qui lui dilapidait l'héritage de son grand-père, là. Faut que je te dise, on est les espions de Super Larry, c'est le héros qui protège le village. Moi, je suis l'espion numéro 1. Et Echen, ma petite sœur, c'est l'espion numéro 2. Toi, tu seras l'espion numéro 3. Ok, sèche les cours, ces enfants. Tout va bien. Tout le monde s'en fout. Bah c'était plus simple hein, pour eux de faire le même monde que Breath of the Wild de Yuro en termes de temps de développement pour réutiliser les assets, le sound design, tout ça. Ça me choque pas parce que je me dis que d'un point de vue c'est pas simple en vrai hein, de faire en sorte que le jeu il soit jouable par les gens qui ont jamais joué à Breath of the Wild, faire des clins d'œil à Breath of the Wild pour les gens qui eux y ont joué, enfin c'est pas simple en vrai hein. Merci Letani pour le 8e mois. J'ai du mal à être dur avec eux sur ce point. Sur la cohérence par rapport à Breath of the Wild, quoi. Ah bah tiens, c'est lui qu'on a sauvé. Nom d'une truite, à bien y regarder, tu es le brave jeune homme qui m'a sorti de cette grotte. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi, c'est grâce à toi si je peux vendre mes produits sur les routes comme ça. J'ai commencé à pêcher pour pouvoir vendre du poisson, je dois dire que j'adore ça. Je veux que beaucoup de gens puissent goûter à mon poisson. J'ai décidé d'aller vendre ma pêche au village des Limites, où la Goutiermania bat son plein. Regarde mes beaux poissons. Pour moi, c'est vraiment un défaut d'écriture. Je suis désolée, pour moi, c'est pas un argument. Les gens savent qu'ils achètent une suite. Faut pas s'étonner que les PNJ connaissent Link au bout d'un moment. Eh ben, il y en a plein qui le connaissent. Là, Canel, il nous a reconnus. Non ? Ok. Qu'est-ce que fait là, cette poule ?
Ça va, là, il nous a reconnus, Canel. Enfin, il y a quand même pas mal de PNJ qui nous reconnaissent. Je comprends pas. Ah, bah tiens, est-ce que ça serait pas lui, le dernier champignon ? Ah, tu voulais quelque chose ? Oui, tiens, un champi. De la part de Gouttier, merci beaucoup. Alors, un champignon ? Ces derniers temps, les champignons à la Gouttier, on les voit partout dans le village. Toutes ces couleurs vives, moi, ça me donne le tournis. Nous, les anciens, et ma famille aussi, on est plutôt du genre décontracté. Mais c'est gentil de sa part de m'offrir ce champignon, je l'accepte de bon cœur. Ah, let's go, ça veut dire qu'on a fini cette quête. Oui, tous les gens de mon âge qui prennent l'air ne sont pas juste en train de tuer le temps, en tout cas pas moi, je n'ai peut-être pas l'air, mais je suis très occupée. Je dois m'occuper des cocottes que Chou-Fleur m'a confiées. Comme son mari est parti aider au fort de guet, je me suis dit que je pourrais lui donner un coup de main. Tous les jours, je les emmène faire un tour. Oh, ici c'est le laboratoire de recherche de Prua et Faras. Ils trafiquaient sans arrêt quelque chose là-dedans du matin au soir. Personne ne sait quoi. Il y en a cette cocotte-là, elle est en train de... Ça, c'est pas très de vider les poumons, là. Merci, Mantrissa, pour les 11 mois. Merci beaucoup. Il y a un sacré vacarme quand ils sont là, mais il faut admettre que ça fait vite quand ils sont absents. Je suis partie au fort de guet devant le château d'Hyrule. Ah. D'accord. Il les emmène faire un tour, si c'est pas mignon. Lire le journal de Prua. J'en ai eu marre qu'on me traite comme une gamine, alors j'ai recommencé mes recherches sur la cure de vieillissement. Merci Poppy pour ce gift à Livael. Et s'ils avaient fait un jeu où on réexplique pas ce qui s'est passé dans Breath of the Wild, les gens auraient râlé parce que je comprends rien, c'est mal fait. Bah oui, je suis assez d'accord moi, j'avoue. Oui, et en plus, ça n'existe même pas les appareils photos dans leur monde, donc ils peuvent pas tous me connaître non plus, tu vois. Ouais, moi je suis grave d'accord en vrai. J'ai pris en compte le fait que ma cure de jouvence m'avait fait rajeunir de 100 ans d'un coup pour ajuster les paramètres. Et quand je me suis exposée au rayon avec grande précaution, j'ai retrouvé mes 20 ans, comme je l'avais espéré. Quel bonheur de pouvoir atteindre le haut des étagères sans devoir utiliser de propulseur. C'est pas très gratuit. Merci Molos pour le 10e mois d'abonnement niveau 3, merci beaucoup. Le corps de mes 20 ans n'a pas encore subi les affres des nuits blanches au labo. Et en plus, ma peau est radieuse. J'ai trouvé ou caché 3 volumes de mon journal. Quant au dernier, il se trouve tout au nord-est d'Akala. J'ai décidé de le cacher dans le labo d'Akala. C'est un endroit si éloigné de tout que personne n'ira jamais. Elle est légale, elle a 20 ans. Alléluia. Alléluia. Ma best life. Taisez-vous, Prua explique comment elle est devenue une femme, ok. J'y vais plus. Let's go. Ouais, moi aussi, Maëlys, j'ai cru qu'elle avait juste, tu sais, genre que son vieillissement, il était un peu fucked up dans tous les cas, tu sais, vu que ce qu'elle a fait, au final, vu que c'est une espèce de magie, tu vois, avec les rayons et tout, moi aussi, je m'étais dit qu'elle vieillissait un peu plus vite que la normale et que c'est pour ça qu'elle avait à nouveau 20 ans, quoi. Mais ouais, je pense qu'il n'y a pas autant de temps qui est passé depuis Breath of the Wild et du coup, elle devrait plus en avoir genre 8 ou 10, tu vois. Je vais rendre la quête des champis et on va se laisser là-dessus, ma foi, 22h. Tu en as déjà distribué? Tu les as tous distribués, merci. Maintenant, les partisans de Baldine verront les choses telles qu'elles sont. Tiens, en gage de ma gratitude, prends ça. Une grosse truffe, Max. C'est un champignon précieux sur lequel il est rare de mettre la main. Toi qui t'es montré un partisan sérieux du camp Gouttier, profite donc de cette petite gâterie pour reprendre des forces avant l'élection du chef du village. Oh, il va y avoir une élection, du coup, trop bien. Je pense que le fait d'avoir fait cette quête, ça me provoque... En plus, tu vois, c'était vraiment une quête secondaire, c'était pas une mission.
Ah putain, il y a quelqu'un qui veut une perche enduro, on en a chopé. Donc ça veut dire que je pense que si je reviens la prochaine fois, il va y avoir les élections qui vont avoir lieu, tout ça, tout ça. Parce que c'est pas une mission, ça reste vraiment une vraie quête, quoi. Ah bah tiens, Gouthier est en tête, ils disent. Mademoiselle Gouthier se serait-elle déjà assurée la victoire? Monsieur Baldin souhaite se concentrer sur l'agriculture. Mademoiselle Gouthier, dont les créations sont très populaires, semble avoir pris l'avantage. Voilà. On verra bien, hein, ce que ça va faire, le fait qu'on ait fait cette quête. Et du coup, on va pouvoir donner la perche enduro au piaf qui voulait une perche enduro. Des bisous. Waouh, bon app, Poppy. Ouais, la dernière fois, on avait perdu la perche, ouais. On est en train de détruire leur stabilité économique. Bah ouais, on est un peu en train de faire ça parce qu'on est en train d'élire le maire qui est à fond sur la mode et au détriment de l'agriculture qui est littéralement... Bon après, ça crée du tourisme, hein, la mode, hein, c'est ce qu'ils disent. Merci à ceux qui m'ont dit que c'était plus simple de faire ça ici pour arriver rapidement chez les piafs parce que c'est vrai que je trouve que c'est une galère. Tiens. Oh, à cette odeur, tu m'as ramené une perche enduro? Oh, je suis contente, merci, t'es trop gentille. Avec ça, tout le village va retrouver le sourire en un rien de temps, j'en suis certaine. Tiens, tu as bien mérité un petit plat préparé par mes soins. Merci. Si tu le manges, tu deviendras super fort partout où il fait très froid, comme dans la chaîne des bras. Après, c'est pas un plat particulièrement nourrissant, mais c'est toujours pratique pour les gens qui voyagent. Si ça te plaît et que tu veux en préparer toi-même, c'est très simple du moment que tu as des frites. Moi, j'aime bien faire la cuisine parce qu'après, tout le monde a l'air heureux au village. Let's go. On a fait une petite quête en plus. Je regarde un peu ce que j'ai. En quête secondaire, il me faut les quêtes des relais, du coup. Le cheval de Zelda. Non, la princesse Zelda aurait été aperçue chevauchant une créature non identifiée. Et la quête du cheval doré de Zelda. D'ailleurs, je pense qu'avec les sanctuaires qu'on a fait aujourd'hui, on va pouvoir demander à la statue de nous donner... j'ai combien? J'ai voté pour la dame parce que j'aime les cèpes. J'ai voté pour la dame parce que j'adore... J'en ai 10. Je vais pouvoir prendre un cœur et en dû, du coup. Parce que j'adore les morilles. Le cheval doré. Ouais, tu l'as pas encore cette quête, Anxen? Donc, un cœur en plus. Et... Non, tu l'as eu au relais de... Au relais des bras. Attends, je vais te montrer. Plus d'endu. En parlant cuisine, je viens de préparer mon plat pour demain. Un bowl bœuf aux légumes. Mais putain, mais tu sais que tu régaleras, toi, avec tes recettes, hein, franchement. Va et ramène la paix dans le monde. Voilà. Du coup, Anxon, la quête, je l'ai chopée ici. Voilà. La quête du cheval doré. Bah franchement, on aura bien avancé. Tu sais que c'est HelloFresh pour la plupart. Ah. On aura bien avancé, je pense. En fait, on n'a pas fait de quête principale, on n'a pas fait de souvenirs ni rien, mais bon, on a fait quand même beaucoup de quêtes qui sont à limite. J'ai pas la TP. On a fait beaucoup de quêtes qui sont à limite. On a fait la quête du mec qui était perdu dans sa grotte ici. On a fait quelques sanctuaires. On a même fait des trucs, c'est la mission de... On a fait la mission qui avait... comment dire? On a fait la mission... Je sais plus ce que je voulais dire, excusez-moi. Je cherchais... On a fait le cheval de Ganon.
Je voulais dire un autre truc en fait, mais j'ai plus la ref. Tiens, je ne m'attendais pas du tout à te revoir. Quelle surprise! Toi aussi, tu es à la recherche des trésors de Lambda? Je n'ai trouvé aucune grotte qui pourrait enfermer un trésor de Lambda. Pourtant, je n'ai pas ménagé ma peine. Je suis allée jusqu'à Ordine. J'ai rencontré les frères chasseurs de trésors au relais du pied de la montagne. Ok. Ouais, on a bien exploré, voilà. Bon, on m'a dit que j'avais loupé une quête importante ici, mais... Ah putain, c'est vrai qu'il y a cette tenue qui est un banger. Faut que je la fasse, cette quête, du coup, hein. Ah, c'est ça, je pense. À présent que la tempête s'est arrêtée, j'aimerais autant réparer le pont. Pour le village, c'est très important. Cela dit, il est bien trop grand pour qu'on fasse ça tout seul. Il paraît que certains Iliens sont particulièrement doués en matière de construction, ça te dit quelque chose? En fait, tu cherches un charpentier? Et si on demandait au charpentier qui a construit le fort de Gué? Après tout, il faut avoir son pesant de talent pour construire un édifice aussi extraordinaire. Son nom ne me revient plus, mais je crois bien qu'il finissait par Yé. C'est une excellente idée, si nous pouvions le faire venir, ça serait formidable. Malheureusement, je dois rester au village pour le défendre. L'idéal serait d'envoyer quelqu'un au fort de Gué, mais tout le monde est encore très affairé. Ah, oh, je vois vraiment pas comment procéder, voilà qui est fâcheux. Bon, moi, je vais y aller, t'inquiète. Du coup, au fort de Gué. Hop. Ouais, bah visiblement, on peut réparer le pont, ouais. Et du coup, la prochaine session, ça sera vendredi. Et là, cette fois-ci, on ira vraiment vers les auras. J'aimerais bien faire un peu de Zora, un peu de souterrain aussi. J'aimerais bien faire un peu de souterrain, en vrai. Parce que je trouve qu'on n'y va pas assez, alors que c'est banger. La dernière fois, on y est allé un petit peu, mais on a été assez vite bloqué. On a assez vite tourné en rond. Donc, faudrait que je trouve une autre entrée. Tu l'as eu comment, ton bouclier? Faut que j'aille au labo. Tu es formidablement bien sorti. Tu t'en es formidablement bien sorti en apportant cette image de statuage au chat. Et vu sa réaction, je pense pouvoir dire qu'elle est très contente de ton travail. J'ai également eu mon quart d'heure de gloire. Qui d'autre que moi aurait pu t'apprendre à utiliser l'appareil photo? Cette aventure m'a revigoré. Sache que ta tablette Prua a plus d'une fonction dans son sac. Oui, blablabla, bla bla, un détecteur. Le seul moyen serait de... Ah! Le laboratoire, mais j'y viens. J'en viens, pardon. Ce laboratoire concentre ses recherches sur la tablette Prua que Prua et moi avons développée. Dès qu'on y sera, je pourrai améliorer encore plus ta tablette et son détecteur de sanctuaire. Pour y aller, c'est simple. Au sud-est d'ici, il y a la région de l'est de... Oui, non, mais c'est bon, je sais comment on y va, j'y suis même allée. Bon, là, pour l'instant, il reste ici encore un peu. Ok. Oui, c'est trop bien, les souterrains, je kiffe. Oh merde, oh putain. Je kiffe. Prochaine session, on va dans les souterrains, justement. Bonne nuit, Clémopomme. Trop stylée, cette photo. Et je l'ai pas. Je regarde au cas où si je peux faire des photos stylées. Personne d'admission? Ah. Ah, oh, c'est toi, j'ai déjà fait mes adieux, tu sais, mais il y a tellement de poussière ici que je passe mes journées à nettoyer. D'ailleurs, c'est en passant le balai un peu énergiquement que j'ai donné un coup sur le mur et que je l'ai cassé. Et depuis, j'entends parfois une voix effrayante venir de ce trou comme un démon qui gronde. Apparemment, les autres ne l'entendent pas, mais moi, si, je ne suis pas folle. Je suis sûre que j'ai réveillé un démon parce que j'ai brisé le mur. Oula. Oula. Et maintenant, il veut s'emparer de mon âme. Pharas, Nad, ma famille adorée, mon heure est venue, adieu. Attends, mais je veux aller voir ce que c'est, moi.
peux trop savoir. Ah, c'est la statue qui transforme les cœurs en endurance. Elle y était plus en plus, on est allé la voir à Elimite, elle y était plus. C'est pas souvent qu'on vient prier ici. Tu arrives à m'entendre? Attends, voilà. C'est inattendu. Tu es venu prier pour quoi? Vivre le plus longtemps possible? Devenir riche? Un classique, celui-là. Quoi qu'il en soit, tu as frappé à la bonne statue. Autrefois, j'étais un dieu qui régissait la vie et la force. J'ai changé de la vie contre de l'argent, mais la déesse Ilia l'a découvert et m'a donné cette apparence de statue. Cela fait déjà bien longtemps et depuis, je suis condamné à regarder le temps passer sans pouvoir bouger. Au début, je m'en sortais encore pas mal. J'étais la statue du diable qui trônait dans la rue la plus animée du village. Mais la déesse Ilia n'a pas trop apprécié. On m'a exilé sur une route secondaire, puis dans une vague ruelle. J'ai fini en bordure du village, recouvert de fientes d'oiseaux. Après, on m'a installé la tête en bas, au plafond d'une grotte. Dernièrement, on m'a même expédié au fond d'une mare, au milieu des poissons. Et quand on m'a sorti de là, je me suis retrouvé ici. Tu as déjà vu pire endroit? On pourrait croire qu'après un traitement pareil, j'aurais fini par piger la leçon de la déesse et regretter mes actes passés. Que dalle! J'ai pris mon mal en patience, attendant juste que mon heure vienne. J'attendais le moment où quelqu'un doté d'un minimum de cervelle m'entendrait. Quelqu'un comme toi, quoi. Ça fait du bien de pouvoir enfin vider son sac. C'est pas très causant, les poissons. Passons aux choses sérieuses. Ne bouge pas, laisse faire le pro. Je m'épate moi-même. Vise un peu le boulot. J'ai prélevé ce réceptacle sans laisser la moindre trace. Tu croyais que j'allais t'arnaquer, c'est ça? Ça serait vraiment pas dans mon intérêt. Tu veux quoi? Tu as l'air sceptique. Il n'y a pourtant pas de quoi. À l'avenir, quand tu voudras gérer tes réceptacles, il faudra allonger l'oseille. Voilà comment ça va se passer. D'abord, je t'achète un réceptacle pour 100 rubis. Ensuite, si tu veux le récupérer, tu me files 120. Je te laisserai choisir ce que tu veux en faire, cœur ou endurance. Si t'as envie de faire affaire avec moi, n'hésite pas à revenir prier, ok? Je bouge pas d'ici. Bon, ben c'est le retour de cette statue qui était là, du coup, dans Breath of the Wild. Personnellement, j'en vois pas l'intérêt. Je pense que... Merci Hugo pour le 27e mois, merci beaucoup. Personnellement, j'en vois pas l'intérêt, mais j'imagine que... En fait, je trouve que c'est très situationnel, quoi. J'imagine qu'il y a des gens qui s'en servent pour... pour l'épée de légende, par exemple, pour enlever l'endurance et remettre les cœurs, bon... Moi, je préfère faire des sanctuaires, et comme ça, voilà. Je pense que ça va aller plus vite. De faire ça. C'est chiant en fait, j'ai pas tant que ça de... d'armes là. Au pire, défait l'amalgame d'un truc. Ah putain, c'est pas bête. Et justement, je me... Oui, t'as raison, je fais ça. Et du coup, je mets un caillou.
Mais c'est ça que je voulais faire en plus, mais tu vois, j'ai même pas fait le lien avec l'amalgame. Hop. Et... Wow. Well, hello there. Les trucs qui crachent à chaque fois là, que ça soit ceux-là ou ceux qui sont d'autres couleurs. La toile de la parabole, c'est avec l'amiibo Link Lou que je l'ai eu. C'est pour les flèches et du coup c'est quoi l'effet, s'il te plaît? Bah oui, là, je pose la question de manière explicite, quand même. Genre là, les verts, ça fait quoi? Ah ouais. Oups. Ça a failli être une catastrophe. Oh. Il y a tellement de trucs. Ok, ça, on dirait que c'est pas de la même texture. Ah si. Avoir la lune de sang. Ah mais c'est infini. Il y a un mob derrière. Oh c'est rude. Le freeze là. Oh lune, couleur du sang. Lorsque de ta lumière tu éclaires la terre, les âmes des monstres retrouvent leur enveloppe charnelle. Pour repartir à la conquête de cette terre. Trop stylé. Mais elle est infinie cette grotte par contre, ouais. Attends, parce qu'en vrai, j'ai envie d'être... D'un côté, j'ai envie d'être méthodique, genre d'aller là par exemple. Est-ce que c'est juste une pièce? Mais putain, mais c'est infini, il y a des trucs partout. Non mais c'est une dinguerie. Oh putain. Tu es en dessous de la place du château là. Oh, jambière de soldat. Stylé. Et ça? Bouclier en bois.
Franchement, c'est relou, hein, parce que j'ai vraiment plus de place, là. Hein. Je vais prendre l'autre. Enfin, je vais récupérer le mien, il est mieux, mais bon. Je voulais au moins le prendre en photo. Salut, l'Odem. C'est ainsi que le live durera 45 minutes de plus. Ah non, je l'avais déjà pris en photo. Si, si, j'ai trouvé Noya une fois et après il m'a dit... Je sais plus. Qu'est-ce qu'il m'a dit après? Il m'a dit... Rejoins-moi au relais... Je sais plus lequel. Vous vous souvenez, vous? Ah, tout ça pour ça. Attends, parce que ça, c'est vraiment de la crotte. Ah ! Deux secondes. Vers l'est ? Ok. Ah ouais, faut qu'on aille le voir en urgence parce que là, ça commence à être trop chiant. On peut passer en dessous. Là, t'es pas pris en photo, toi, ma petite beauté. Babil. Parfait. Bon, franchement, je pense que là... Et ça marche même pas en plus. J'en reviens pas. Ça marche même pas. Il va me remettre où? Putain, vous avez vu le chemin qu'on a fait, là? Ok. Ah, ça va, ça va. Là. Ah, quoique. Derrière ce mur, il y a Breath of the Wild 3. En fait, j'ai l'impression qu'on peut casser que... Un truc avec des pierres. Il vient du Brésil, danse la samba. Il va de ville en ville. J'ai plus de cailloux. En fait, les roches oranges, j'ai l'impression qu'on peut... Mec, je peux pas t'amalgamer? Merde. Merde. Il va m'en mettre une. Oh! Je trouve plus de cailloux! En plus, il y a eu la lune de sang.
Il est insupportable cet arc. Prête pas du tout au contexte là. Bah voilà, maintenant tu sais qu'on peut esquiver avec eux. Ok. Ah ouais, tu fais bien les nœuds en vrai. Je sais même pas où je vais là. Y'a rien en fait ici. C'est un cul-de-sac. C'est peut-être là où tu sors que c'est stylé, je sais pas. On dirait un cul-de-sac. Donc nous, on en était... On allait là-haut. Ouais, mais j'avais pas ouvert cette porte-là, donc je voulais voir ce qu'il y avait, Livael, en fait. Waouh, c'est chaud, hein. Et en plus, dites-vous que... Attends, mais ça s'est déjà rebouché. Ah non, je suis passée en sneak. Là. Ah, il y a des fées. Là, je vais être un peu plus discrète. Merde. C'est comme ça que je vais être discrète. Bon, j'en ai chopé une au moins. Ok. Il y a une truffe. J'adore l'animation de ce truc, je la trouve trop satisfaisante, je sais pas ce que vous en pensez. Du tout ce que je voulais faire. Voilà. T'as vu, mais dans l'encyclo, les photos sont complètes. Quand tu vas dessus, t'as plus juste le petit carré. Oui, je sais, on a vu la dernière fois. Trop drôle. Bon, c'est cool, en vrai, comme ça. Après, c'est dommage que la qualité des photos, elle soit aussi... basse résolution, c'est dommage. Arrête, s'il te plaît. Babil, fais quelque chose, en fait. Allez, Babil, démerde-toi. Oh, putain. Les couilles. Voilà. Je
Non mais grave, en plus il pourrait servir à quelque chose de temps en temps, le petit babil, mais... Pas toujours, hein. Là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il va falloir que je sois prudente parce que... Il y a beaucoup de nage. Ah non, ça va. Qu'est-ce que c'est que ça? À l'inox. Attends, ça me stresse d'avoir cet arc, pardon. Ah ouais, c'est ça, c'est un Stalinox. Bah alors, t'arrives à te lever ? Ah oui. Désolée pour la caméra, c'est immonde. Ok. Merde. Hop. Ah, il avait plein de trucs. Qu'est-ce que c'est pratique ce truc là? Putain, franchement, je galère hein. Oula. Vous avez vu ce qu'il me lance? Oh putain. L'a fait aussi, elle a vu. Bah, je ferme. Oh, c'est un sup. Je sais pas, il l'a sorti de son cul, tonneau, je comprends pas. Ok, c'est bon. Hep, merci pour les GG. Les halbards, je suis pas très fan. Si vous avez une astuce pour avoir une tonne de flèches, mais en vrai il faut casser les caisses. Tu casses toutes les caisses que tu croises, moi c'est comme ça, hein. J'en ai jamais acheté. Si, j'ai dû en acheter une fois au début du jeu, puis depuis... Depuis, j'ai plus jamais eu à racheter. Juste casser toutes les caisses que vous trouvez.
C'est tout? Ah non. Allez, allez, un coup. Encore. Ok. C'est galère. Ah, tu pensais que c'était du décor? Ah non, tu vois. Voilà. Oh, la grenouille qui panique. Oh, oh là là. Ok. Bouclier de soldat, c'est l'angoisse, j'ai pas de place. T'as vu les vidéos du mec qui reproduit le son de Teoteka avec ses outils à lui? Ah non, j'ai pas vu. Oh! Ah mais je vais avoir une tenue entière là. Ah, ça veut dire que j'ai chopé le torse du coup. J'ai loupé, pardon. Ça veut dire que j'ai loupé un chest. J'ai pas le torse. Voilà. C'est tout bon. Bah écoutez, on va se laisser là-dessus. Ah bon, la grotte est pas finie? Je viens de là-bas. Je sais pas si je viens de là ou si je viens de là en fait. Je pense que je viens de là-bas. Et que du coup, faudrait que j'aille là. Ah ouais, c'est ça. Salut Filoutre, avec l'amiibo je l'ai eu grâce à l'amiibo Link Lou dans The Twilight Princess. Désolée du coup pour le mini Black Seed, ça aurait été dommage de commencer la grotte pour pas la finir. Ouais ouais grave, oui t'inquiète. Oui oui, en vrai franchement vous inquiétez pas. Pour ces trucs là c'est vrai c'est dommage, je sais pas si j'y serais retournée tu vois, c'est quand même genre de backseat, je suis tolérante parce que on sait pas si si j'allais me chauffer à revenir en vrai hein, parce que c'est quand même hyper long. Non il y a pas moyen d'avoir autrement. Mais si tu veux pas acheter l'amiibo, je sais que, bon, c'est pas très légal, hein. Mais je sais qu'ils vendent des espèces de puces... Ils vendent des espèces de puces pour... Pour remplacer l'amiibo. Oui, la commande, elle manque de clarté, en fait, pour d'où vient mon pseudo.
vu qu'à chaque fois on rajoute des espèces de descriptions là. La commande manque de clarté, mais... Oui, je m'appelle Ultia, en référence à Fairy Tail. Caillou. Bon, de base, j'étais pas... Enfin, je l'avais pris parce que je cherchais... En fait, je cherchais un nom... En fait, je cherchais un pseudo. Je voulais changer de pseudo. Et je cherchais un pseudo un peu court. Je cherchais un pseudo un peu court qui fasse un peu... Je sais pas... Un peu italien. En sonorité, tu vois. Et puis comme je regardais Fairy Tail à l'époque, et que j'aimais bien le personnage d'Ultia, eh bien... Voilà, c'est ce qui s'est passé. Ultia en italien, ça devient quoi? Non mais comment ça devient quoi? Par exemple en italien, ultima ça veut dire la dernière, l'ultime, voilà. Mais ultia en italien ça peut rien dire, ça sonne un peu italien mais ça veut dire... Oh... La musique du château. La 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 la. Ouais, à l'anglaise ils prononcent Yultia. Ah, mais c'est une grotte de fou en fait. Ultia, ça devient en italien. Tu l'aimais bien période début d'animé? Ouais, dès le début de l'animé, je la trouvais cool, Ultia, ouais. Plus. Merde. Ça n'a pas suffi. Voilà. Bon, c'est infini, je pense qu'on va se laisser là parce qu'il est déjà 22h50, ça fait un... Oh. Ah ouais, ok. Il est déjà 22h50, ça fait un moment là que je dis qu'on va se laisser et tout, donc... au bout d'un moment, on continuera d'explorer la grotte la prochaine fois. Mais parce que là, elle est vraiment trop grande. En plus, tout à l'heure, on a loupé un truc et elle va direct dans le château, on dirait. Donc, on va se laisser là. Vas-y, dis-moi, Livaël, dis-moi. J'ai pas oublié hein, l'entrée du château. Hein. Je l'ai vu. Hein. C'est juste que, au bout d'un moment, faut bien que je commence par un truc, quoi. Brûle les petites carottes. Ah bah non, alors c'est bon. Ah ok, donc c'est ça que tu voulais me dire. Tu voulais me dire, ouais, n'oublie pas... Oui, bah j'ai vu, c'est juste que...
fallait bien que... Enfin, genre, au bout d'un moment, il faut bien que je fasse des choix, mais je les garde en tête et je reviens derrière. C'est pour ça que tout à l'heure, tu me disais tu reviens en arrière, mais c'est parce qu'en fait, il y avait un truc que j'avais pas ouvert. Enfin, on va peut-être se remettre devant. C'est là. Waouh. Au bout d'un moment, tu sais pas trop les ramifications, comment elles se présentent en vrai. On verra comment on fait pour aller là next time, j'imagine. C'était là, hein, l'entrée, Livael. L'entrée où on commençait à avoir la musique du château et tout. C'est là, non? Et après, j'ai décidé d'aller ici pour voir ce que j'avais loupé. Mais ouais, ouais, c'est là. Ok, ok, ok. Bon, ben du coup, on va trouver la prochaine fois comment on fait pour aller de l'autre côté. Voilà. C'est ça. Ça sera un problème pour la Ulka du futur. Exactement. Ok. C'est plus un problème pour la Ulka du futur. Par contre, ça part tout de la simple fille qui se plaint d'avoir cassé le mur. Oui, bah là, c'est vrai que tu peux passer à côté d'une dingue si tu ne retournes pas souvent au fort de guet. Mais j'ai déjà capté ça. Hein. J'ai déjà capté parce que... Oh, let's go. Bah ça y est, j'ai l'armure. J'ai l'armure entière. J'ai déjà capté parce qu'en fait... Bon, je fais ça vraiment au cas où. Hein. J'ai déjà capté parce qu'en fait, voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, on est déjà retourné au fort de guet pour un truc random et j'avais vu plein de quêtes et tout. Donc j'étais un peu en mode, ah ok. Ah, la grotte, elle est pas finie. Bon, d'accord. Bon bah, on reprendra la prochaine fois. Ouais, c'est ça, le fort de guet évolue et tout, donc il faut y retourner de temps en temps, quoi. Allez, on arrête parce que sinon, c'est infini, en fait, là, ce que je viens de trouver. Ouais, c'est ça, c'est un peu le hub central complètement, ouais. Bon, merci d'avoir suivi ce live qui était très chouette. Merci pour tout, c'était très très cool. Je vais vous laisser là-dessus parce que franchement, là, on a fait un gros live. En plus, je pensais pas du tout... je voulais terminer il y a un petit moment déjà, là, donc...